Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing et même un petit double unboxing. J'ai acheté en fait le coffret DVD collector du manga Hunter x Hunter, excusez-moi. Alors c'est pas bien évidemment pas un manga récent, par contre c'est un coffret DVD qui est sorti peut-être il y a à peine, ouais, un petit mois peut-être. Un petit mois, donc je viens de le recevoir, enfin je l'ai reçu il y a une petite semaine. Je voulais quand même vous le faire découvrir parce que il est vraiment cool et vraiment sympa, en tout cas visuellement. Et on va voir son contenu. Et par la même occasion, quand je vous avais fait le bilan de mes achats de Tokyo, je vous avais montré que j'avais ramené cette figurine de Gon, donc l'un ou le personnage principal quand même. Et pour le coup, ben... on va du coup se faire le petit unboxing comme ça. Ça fera un double petit unboxing. Allez, on va démarrer avec la figurine. Donc c'est une figurine que j'ai achetée à Tokyo. Je l'ai payée dans les... si on fait la conversion, je l'ai payée une trentaine d'euros. C'est une figurine qui n'est pas forcément évidente à trouver en France. C'est un manga qui commence à être... je vais pas dire commence à être connu. C'est un manga qui est connu, hein, mais qui est maintenant par exemple disponible sur Netflix si vous voulez jeter un coup d'œil. Et du coup, ça l'a un peu popularisé. Alors, c'était une gamme d'occasion hein, que j'ai acheté. Ce qu'il faut savoir, comme je vous l'avais peut-être déjà dit, c'est qu'au Japon, vous avez des figurines d'occasion qui sont vraiment, vraiment proches du neuf. Donc, vous voyez, on me l'avait bien réemballé. Hein. C'est pas une très, très grosse figurine, bien évidemment. Mais on va quand même découvrir ça, c'est assez sympa. Vous pouvez sûrement la retrouver peut-être sur internet, je suppose. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose que vous trouvez forcément facilement. Et donc c'était assez cool. Ça me faisait une nouvelle petite figurine. Voilà. Vous voyez, elle n'est pas bien grande non plus. Hein, mais elle est plutôt bien faite au niveau du visage. Hop. Voilà, c'est pas, c'est une figurine, hein, c'est du Banpresto, c'est comme les petites Banpresto que vous pouvez acheter sur du DBZ. Et là, vous avez donc un petit socle avec marqué Hunter x Hunter. Vous placez la figurine, hop, très simplement comme ceci, hop, que je dise pas de bêtises, voilà. Et voilà, pour cette petite figurine de Gon, assez sympa. Je vous la remonte quand même un peu en détail. Vous voyez, assez cool, hein. Une petite figurine, ça vous fait une déco à côté du coffret qu'on va découvrir. Ce qui est sympa, c'est que la prochaine fois que je retournerai à Tokyo, j'essaierai de trouver, ils ont sorti bien évidemment, donc les autres personnages, donc vous avez Kira, Kurapika et Leolio. Donc voilà, ça peut être sympa quand même. Donc ça c'était le modèle, le volume 1. J'aimerais bien essayer de me retrouver toute la collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bien évidemment de Hunter x Hunter, est-ce que vous avez déjà regardé ou pas. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite encore une fois à regarder, c'est vraiment un shonen assez cool et assez sympa. Et du coup on va passer à l'unboxing. En plus je vous dis c'est disponible sur Netflix. On va passer à l'unboxing du collector. Donc on va déballer ça hein. Et là, je vais vous montrer ça. Ce qui est vraiment sympa, c'est le coffret est juste magnifique de chez Magnifique. Très sincèrement. Hop. Et donc, vous avez l'intégrale pour l'instant de la série. Il y a des gens qui parlent d'une suite qui pourrait y avoir. On croise les doigts. Donc là, vous voyez, les artworks sont vraiment magnifiques. Vous avez tous les personnages. Ici, vous avez un peu le descriptif de ce qui vous est mis. Donc, des coffrets. Et là encore une fois, hop, des artworks même sur le dessus, ça vous fait vraiment vraiment une boîte très très sympa. Hop, on la pose comme ça et la boîte va s'ouvrir un peu comme un coffre, vous voyez, hop, comme ceci. Et donc là on a les premiers coffrets, donc c'est du DVD hein, ils les ont pas sortis en Blu-ray, peut-être qu'ils les sortiront un jour. Hop, ici vous avez la suite hein. Donc ça va couvrir l'ensemble des arcs. Les coffrets aussi hein, sont super sympas franchement. Après vous pouvez acheter les coffrets à l'unité hein. Mais vous avez les différents arcs. Hop, ici. Donc ça c'est assez cool hein. Toujours avec des beaux des belles petites images. On est sur un manga, je crois qu'il fait à peu près 140 ou ouais, 135 épisodes. 148 épisodes. Que je vous dis pas de bêtises.
Donc ça, c'est assez cool. Et là, on a cette petite boîte qui, vraisemblablement, ne sert pas à grand-chose. Non, à mon avis, c'était pour caler le manque de place sur le coffret qu'ils ont fait. Et je vous montre quand même le bel artwork de fin. Donc, vous avez vraiment une boîte très sympa. Donc, si vous connaissez pas le manga, vraiment, je vous recommande de regarder les épisodes. Alors, c'est... Je vais pas vous dire que ça ressemble à du Naruto et autres, mais parce que c'est un manga qui a sa propre personnalité, on va dire, mais c'est vraiment un manga qui est assez chouette. Vous identifiez, enfin, vous attachez assez facilement aux personnages. Voilà, les histoires sont bien rythmées. Vous n'avez pas de hors-série un peu ennuyeux. Donc ça, c'est vraiment quand même assez cool. Et voilà, du coup, pour ce coffret, les amis d'Hunter x Hunter, niveau prix, le coffret est à 120€, si je ne dis pas de bêtises, ou entre 120 et 130€. Donc, c'est un prix, mais pour un intégral, et vous avez vraiment une belle boîte. Voilà, si vous êtes un peu collectionneur sur le manga, c'est assez sympa. Moi, en plus, comme je vous ai montré, il y avait la petite figurine, et je vous montrerai ça... Quand j'aurai refait mon coin manga, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà les amis, écoutez, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du manga. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Si vous le démarrez, donnez-moi vos impressions. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce coffret qui est, je trouve, vraiment, vraiment cool. Je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao!